Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 et le fantôme de la maison. Et Violette qui est avec moi, elle parlait juste avant et maintenant elle parle plus. T'es timide, ma poule. Tu discutes un peu? Non? Ah oui, chère. Elle a perdu sa tutute. Voilà. Bon, alors aujourd'hui une petite vidéo sur notre map en amoureux à Marc et moi. Et je suis toute seule parce que Marc a des petits soucis d'ordinateur. Ça commence à sentir grave le sapin pour son PC. Et voilà. J'ai décidé de tourner la vidéo du jour toute seule pour pas l'embêter et que si son ordi il plante, on soit pas dans le caca. Ça devient un petit peu trop récurrent les problèmes d'ordinateur. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas la télé. On n'a pas de décodeur ni rien. On regarde la télé sur internet. Et la tour de salon donne des gros signes de fatigue également. Et ça commence à nous gaver. Alors attends, tant que Marc est pas là, je voulais voir un truc. Ah! D'accord, il a fait un système d'escalier. Je croyais que c'était plein. Mais non, c'est bien vide comme il faut. Bah ouais, puisqu'il y a ça. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas ça qu'on est venu faire. On est venu tuer des monstres. Hihihi. Non, on n'est pas venu tuer des monstres. Il y a un golem qui s'ennuie là-bas, de toute façon. Ah, la vache, il m'a fait peur. Oh là, j'ai le son qui est fort! Oh, j'ai pas intérêt à aller dans une grotte. Attends, je vais vérifier un truc. Hop, non, c'est bon. Bon, hyper constructif le début d'épisode, mais c'est vrai que ça me perturbe un petit peu le fait que Marc ait un ordinateur qui veut pas faire grand-chose. Parce que, soyons sérieux deux secondes, Marc travaille, on travaille sur nos ordinateurs et c'est vrai que là, Marc est du coup un petit peu dans le caca. Ce soit pour sa chaîne YouTube ou pour le travail. Voilà. Bon, en attendant, nous sommes donc dans la maison de Marc et c'est moi qui la meuble, la maison. Enfin, moi et Lucie. Alors, quand on rentre dans la maison direct, nous avons une petite tablette pour poser notre merdier. Le sac à merdier, les clés de la voiture, le courrier. Enfin, bref, tout. Le sac à merdier, c'est une expression de Roland Magdan, un comique français que si vous ne connaissez pas, je vous conseille gravement d'aller voir ça sur YouTube. Le sketch du sac à merdier, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais en attendant, si vous avez envie de regarder le dentiste, c'est génial. Alors, j'ai donc fait ici. Un petit salon où on a de la lecture, des fleurs, donc on peut jardiner. Enfin, regarder les fleurs, voilà. Attends, j'ai regardé un truc. Et puis, on a un tableau que l'on peut scruter en étant assis. On est sur le serveur de la communauté. Hop là. Donc, normalement, je devrais pouvoir m'asseoir. Attends, dégager ça. Et non, on peut pas. Bon, c'est pas, ça marche pas aujourd'hui, mais en toute façon, en ce moment, c'est un petit peu de la même merde. Alors, ici, je n'ai pas changé les fauteuils que j'ai laissés en bois d'acacia. C'est pas grave. Ici, on a donc un placard, comme d'habitude, hein. J'aime bien faire un petit placard. Et là, un coffre où je vais dégager tout ce que j'ai sur moi qui ne sert pas. Voilà. Comme ça fait un coffre qui va être rempli de choses très utiles ou pas. Un œuf d'araignée. Ça, c'est parce que j'ai fait une petite vidéo hier et j'avais besoin d'araignée. Voilà la chambre. Hop là. Là, j'ai fait un petit bureau tranquille, peinard, avec les dossiers, l'écran d'ordinateur et tout. Et puis, hein, ne nous faisons pas chier, un petit frigo. Pour ranger les petits yaourts que l'on consomme ou les petits sandwichs que l'on mange aisément quand on travaille chez soi. Les toilettes. Ah voilà, chercher. Le lavabo et la baignoire. Violette, tu veux pas venir discuter avec nous?
n'aurait même pas entendu sa petite voix. La chambre, on a déjà vu. Donc voilà. Donc en bas, on a un toilette avec une salle de bain. Là, ici, nous avons la pièce à jeu des enfants. Voilà, avec les tableaux de Pinocchio, tranquille, peinard. Là, nous avons la cuisine. Et là, j'ai mis les plantes aromatiques. Alors là, on va dire que c'est une plante aromatique. Voilà. Le four, le lavabo, le plan de travail, le plan de travail. Ça te plaît, Violette? C'est beau? Suis trop timide. Et puis là, on a un placard pour ranger la vaisselle, par exemple, qui est en dessous des escaliers. Comme ça, c'est bien. Un petit coin pour s'asseoir. Par exemple, si on veut manger des chips et des cacahuètes. Des cacahuètes. La salle à manger. Et on peut sauter sur la table. Le coin télévision. Ou DVD, cinéma et tout ce que tu veux. Et là, ici, nous avons la salle de bain. Cette fois-ci encore. Avec les toilettes et le lavabo. Ensuite, on va monter à l'étage. Je vais accélérer un petit peu parce qu'après, le temps de téléchargement va être assez horrible. Alors, j'ai pas tout fini, mais est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que j'ai dû faire une baie vitrée puisque Marc avait tout fait péter à la TNT? Et là, j'ai donc fait baie vitrée. Et là, une pièce avec une coiffeuse, avec un placard, avec un autre placard, avec un canapé. Et là, à l'étage, nous avons la chambre. Voilà, comme la maison est très haute, j'ai utilisé la hauteur. Regarde, hop, c'est génial. Il y a tout partout pour regarder. C'est une chambre pour être sûr qu'on n'a personne en dessous. Parce que si t'es en jupe, ta culotte est découverte. Voilà. Ensuite, on va aller voir tout de suite l'étage. J'ai bloqué et j'ai fermé l'étage avec des trappes. Comme ça ne gêne pas trop. Et puis, c'est marrant. Attends, elle est où l'araignée qu'on entend? Parce que hier, il y avait une araignée qui montait et descendait le mur. J'ai loupé une vidéo étant donné que j'ai pas appuyé sur le bon bouton et je m'en veux encore. Il y avait une araignée là dans l'eau, là-bas même, qui sautait sur place. C'est un adulte? Ouais, c'est un adulte. Elle montait les lianes et elle redescendait comme une. Elle sautillait, c'était rigolo. Mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Un peu relou. Voilà. Donc les escaliers, ça c'est fait. Hop. Et là, nous avons ici un renfoncement. Et là, c'est la chambre que Lucie a décorée elle-même. Donc, elle a mis un film d'action à la télé, déjà. On l'entend fort quand même. Bah bien sûr, mais qu'est-ce que tu fous là? Sérieusement? Alors, si vous allez voir mon blog, là maintenant, tout de suite, file voir mon blog. Il y a le lien sur ma page d'accueil. Faut appuyer sur le B ou G, je sais plus. Oh non! T'es trop con, toi, j'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que t'as fait hier! Ah, oh, purée! Alors, vous verrez sur mon blog qu'il y avait une araignée à la fenêtre ici. Donc, j'ai fait des captures d'écran. Donc, on la voit à travers la vitre. Et on la voit vue du dessous. Et j'ai dit, est-ce que j'ai mis en titre, tu veux faire des guili-guili au ventre de l'araignée? Et ça devait être elle qui est passée à travers le carreau. La con, elle meurt. Oh, je te jure. Donc Lucie, elle a fait des lits à étage. Enfin, voilà. Elle a pas fait le sol, mais en tout cas, elle a fait des lits en hauteur. C'est bizarre ça, parce qu'on croirait que, étant donné que là ici, attends, ça me plaît pas ça. J'aime pas trop. Du coup, ça, voilà. Là, le mur semble bien comme il faut. Voilà. Toc et toc. Alors ici, elle a fait un petit coin salle de bain. Je lui avais dit de fermer tout en entier avec des bannières. Elle n'a pas fait, mais c'est pas grave. Là, elle a fait une douche. Elle me dit, je fais
eau chaude, un eau froide, et puis en haut, elle voulait en mettre un troisième pour faire de l'eau tiède. Je dis, c'est pas la peine, ma cocotte. Elle veut faciliter la vie, elle. Allez hop, direct à eau tiède. Marc, une fois, j'ai pris une douche chez des gens et ils avaient un truc pour avoir la température de l'eau que l'on a envie. Et waouh, c'est génial parce que t'as même pas besoin, c'est le truc qui gère lui-même l'eau chaude et l'eau froide. Pas mal. Un jour, quand je serai riche. Oh je serai vieille peut-être. Bon, bref. Voilà. Dis donc, ça fait pas beau en fait. Ah oui, mais ça fait encore moins beau en fait. Ouais, non, ça va. Bon, ben tant pis, ça va comme ça. Bon, et ben voilà. J'ai commencé à décorer l'intérieur de la maison de Marc et je trouve qu'avec la baie vitrée là, ça fait super beau. Moi, pour tout vous dire, ma maison à moi me plaît pas des masses. Donc, si ça continue comme ça, il va y avoir un passage à la TNT. Marc aime bien. Ou alors, je ferai une autre maison, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, et eh bien voilà. Alors, ben moi, je vous embrasse bien fort. Violette, tu viens dire au revoir? Tu viens causer dans le micro 2 minutes? Tu dis. Oh, c'est vrai! Ça te plaît bien? Elle adore mon skin. Tu dis au revoir aux gens? Tu dis à plus tout le monde? Alors elle vous fait coucou. Violette ne dit pas un mot. Elle sait parler, mais elle ne parle pas. Donc bah, tant pis, on t'aura entendu un tout petit peu, ma biche. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Bon courage à celles et ceux qui reprennent le boulot et l'école. Et puis bon, on se dit à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde!